Raccolo Maboko. Père, merci pour ces grands jours. Merci pour ta présence ce matin. Merci d'être parmi nous ce matin. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que rien ne peut s'apparenter à tes pensées. Ce matin, Père, accepte de nous enseigner ta parole. Parle à nos cœurs. Daigne bénir ta parole. Je te prie avec le Saint-Esprit ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus. Ensemble avec l'Église, nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je ne peux pas terminer ce stage sans pour dire merci au corps pastoral. Pasteur Pierre, donc Anani, pasteur Jean Mengi, pasteur Normand Bini. Merci beaucoup parce que vous m'avez accepté de passer le stage, un moment avec vous. De la manière que vous m'avez conduit, vous m'avez guidé, vous m'avez orienté. Je vous dis merci. S'il y a quelque chose qui vous a vexé de ma part, veuillez accepter mes pardons. Veuillez accepter mes pardons. La même chose, je retourne aussi à l'église. Peut-être mon comportement n'était pas digne devant vous. Peut-être naïf ça que quand maman bé tant que tu solo là. Je demande aussi à l'église les temps que j'ai passé avec vous. Un pardon si vous pouvez l'accepter. Que je vous demande pardon de tout ce que j'ai fait avec vous ensemble. Peut-être je me suis mal comporté, mais que Dieu, le fait que vous m'avez accepté de passer le temps avec vous en stage, Dieu vous rendra au centuple. Amen. Est-ce que vous pouvez accepter ça en acclamant le Seigneur? Nous pouvons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre verset de base est tiré de Genèse chapitre 22, versets 1 à 18. Genèse chapitre 22, versets 1 à 18. Genèse 22, 1 à 18. Je vais lire pour toute l'assemblée. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le à l'Holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit les lieux. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour l'adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'Holocauste et chargea son fils Isaac et portant dans ses mains le feu et les couteaux. Et ils marcha tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répond, mais voici, mon fils Isaac, réplique, voici le feu et le bois. Mais où est l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Qu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois et il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus de bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela
des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien du mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit à l'Holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour vie. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes ces nations de la terre seront béni à ta prospérité parce que tu as obéi à ma parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir, mon frère. Et de quoi s'agit-il dans tes textes? Nous voyons que la phrase commence par après ces choses, c'est-à-dire il y avait autre chose qui s'est fait avant. La phrase commence par « après ces choses » parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant. Et quelles sont ces choses qui se sont passées avant? Avant que l'Éternel puisse mettre Abraham à l'épreuve. Quelles sont ces choses qui se sont passées avant? Parce que Dieu avait promis à Abraham. Dans Genèse 17, verset 19, Dieu avait promis à Abraham, il lui a dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après toi. Et quelles sont ces choses? Dieu avait encore promis à Abraham que je reviendrai. Quand il avait reçu ces trois invités, ces trois visiteurs, ils ont un d'eux, il a dit, je reviendrai à la même époque. Et voici ta femme, Sarah, aura un fils. Et l'Éternel s'est souvenu de cette promesse. Et il a réalisé cette promesse. Et Sarah est devenue enceinte. Et elle enfanta pour Abraham un fils. Et Abraham lui donne le nom d'Isaac, comme le Seigneur lui avait indiqué. Alléluia. Et en même temps, il circoncit l'enfant. 8 jours après, comme il avait reçu l'instruction du Seigneur. Et à ce moment-là, Sarah, quand elle a vu l'enfant, et dit que le Seigneur m'a fait le sujet de rire. Alléluia. Le rire donne la joie. Parce que devant une situation, quand la solution est là, on ne peut qu'être dans la joie. Amen. Hein? Sarah ne mettait pas au monde. Par la promesse de l'Éternel, il est arrivé. Isaac est arrivé. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne vous a pas oublié. Alléluia. Je vais dire à une personne ce matin que le Seigneur ne vous a pas oublié. Là où il y a la maladie, il va donner la guérison. Là où il y a le chômage, il va donner du travail. Là où il n'y a pas le mariage, il va donner certainement le mariage. Là où il y a la stérilité, il va donner la fécondité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Après cela, Abraham, il est parti habiter au pays des Philistins. Là-bas aussi, il a rencontré le chef Abimelech avec son chef d'armée. Ils ont approché Abraham. Ils ont constaté que depuis qu'Abraham est là,
Dieu est avec lui dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ce matin. Alléluia. Ils sont approchés d'Abraham. Alors, ils ont demandé qu'Abraham de jurer, de faire une alliance. Et Abraham n'a pas refusé. Mais Abimélec lui a dit, jure maintenant au nom de Dieu que tu ne me tromperas pas, que tu ne tromperas pas mes enfants, que tu ne tromperas pas aussi les petits de mes enfants, et que tu auras pour moi et le pays qui t'héberge la bienveillance que j'ai eue pour toi. Ça, c'est le roi des Philistins. Abimélec lui a dit ça. En d'autres termes, Abimélec demandait à Abraham quoi? Les dispositions affectives d'une volonté visée, qui vise le bien. Il doit viser de faire son prochain du bien. Donc, il voulait avoir cette garantie-là à Abraham, étant donné que tout ce qu'Abraham faisait, ils ont constaté que non, Dieu était avec Abraham. Alléluia. Et Abraham n'a pas refusé, il a accepté. Il a accepté cette alliance, il a accepté cette proposition, mais il a dit à Abimélec, mais il y a un puits que tes serviteurs se sont accaparés de ça de force. Mais Abimélec lui dit aussi, c'est maintenant que tu m'informes. Je n'avais pas cette information. C'est maintenant que tu m'informes et c'est maintenant que je viens d'avoir l'information avec toi-même. Mais Abraham prit maintenant les brebis. Et Abraham prend le bœuf. Il a donné à Abimélec. Il a accepté. Ils ont fait l'alliance maintenant. Pour servir de témoignage de cette alliance, Abraham a fait quoi? Il a pris les jeunes, les 7 jeunes brebis, il a donné à Abimélec. Et ils ont fait l'alliance. Après avoir fait l'alliance, l'endroit où ils ont fait l'alliance, ils ont donné, s'appelait Ben Sheba, pour dire qui signifie puits de serment. Alléluia. Puits de serment. Et à ce moment-là, les chefs d'armée des Philistins, ainsi que Abimélec, ils sont rentrés dans leur pays. Abraham a commencé à planter les tamaris à Bethsheba et il invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel de l'éternité. Et il a fait longtemps dans ce pays parce qu'ils ont fait l'alliance avec eux. Mais Dieu a mis, après tout ça, c'est pourquoi notre phrase a commencé, après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Alléluia. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Après tout ce que je viens de vous dire, Dieu maintenant a mis Abraham à l'épreuve. En lui disant, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, viens me le donner en holocauste. Alléluia. Quand Abraham a appris ça, il a commencé à regarder son cœur. Le premier jour, le deuxième jour, Abraham a commencé à préparer tout ce qu'il faut. Il a commencé à préparer l'âne. Il a dit à ses deux collaborateurs, et il a préparé aussi son fils. Il a préparé les bois. Le troisième jour, Abraham fait quoi? Il lève les yeux. Alléluia. Il lève les yeux. Il lève les yeux vers la montagne que le Seigneur lui avait indiquée. En marchant, ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient se séparer. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Alléluia. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons l'adorer. Alléluia. Abraham fait sortir la première parole. Moi et le jeune homme, nous irons l'adorer. Et nous reviendrons vers vous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, qui a donné cette parole à Abraham? Qui a donné cette parole à Abraham? Parce que Dieu lui a dit, tu me sacrifies son fils.
Bien qu'il avait la promesse est arrivée. Le Seigneur a été fidèle, il a réalisé la promesse. Mais le même Seigneur, il lui a demandé le fils. Pendant 3 jours, Abraham a souffert dans son cœur. Mais il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas dire non. Parce qu'il n'a pas respecté. Il n'a pas dit non au Seigneur. Il n'a rien dit. Mais il a exécuté, en signe d'obéissance, il a exécuté tout ce que le Seigneur lui a demandé. Et il est parti. La première parole, Abraham a fait sortir. Il a dit, vous restez ici avec l'âne. Mais moi, je monte avec le jeune homme pour adorer. Et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les problèmes peuvent être là. Mais il faut savoir dégager une parole. Il faut savoir sortir une parole. Alléluia. Et cette parole peut changer la décision de Dieu. Il faut savoir dire une parole. Devant une situation, devant un problème, il faut savoir déclarer une parole. Nous allons là-bas. Nous allons jusque là. Et nous reviendrons. On va l'adorer. Alléluia. On va l'adorer. On va l'adorer. Et ils commençaient à marcher ensemble avec les fils. À marcher ensemble. Papa avait les couteaux. Il y avait aussi les feux. Mais le fils a commencé à poser la question. Mais mon père, j'ai vu les bois. J'ai vu les feux. Mais je ne vois pas l'agneau. Alléluia. Mais si c'était toi et moi à Kinshasa, c'est celui-là qu'on doit. Yende, il faut tokata. Nzambe asenga kiye. Ce que zala kiyo nangai. Moi na yebi sion dengwana. Otalika moi na boe. Yo wana obandi golela. Ma yebi mina misu. Parce que ça te fait tellement mal. C'est le seul enfant que tu avais. C'est le seul enfant que tu as. Ça te fait tellement mal. Mais parce que Abraham connaissait son Dieu. Alléluia. Abraham connaissait son Dieu. Il a dit au serviteur de rester. Je monte avec le jeune homme. On va l'adorer. Et nous allons revenir vers vous. Dieu a attendu cette parole. Alléluia. Dieu a attendu cette parole. Le fils a demandé. Je me suis même posé la question. Le fils a dit seulement que j'ai vu le feu, j'ai vu le bois. Il a dit que non, je n'ai pas vu l'agneau. Mais Abraham avait aussi les couteaux. Hein? Alléluia. Abraham avait aussi les couteaux. Je ne sais pas où est-ce qu'il a mis ces couteaux-là, parce que la Bible n'en parle pas. Abraham avait aussi les couteaux. Aujourd'hui, nous allons appeler Kambakulunade. Alléluia. Abraham avait aussi les couteaux. Mais quand le fils lui a dit ça, Abraham ne s'est pas tué. Connaissant bien la situation qu'il avait dans son cœur, connaissant bien les problèmes, que c'est toi qu'on va, c'est toi qui est l'Holocauste. Alléluia. C'est toi l'Holocauste. Mais il ne pouvait pas dire ça à son fils. Malgré toute la situation, il a prononcé une seconde parole. Il a encore dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'Holocauste. Alléluia. Dieu se pourvoira de l'Holocauste. Oui, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, prends la parole du Seigneur. Retourne-lui sa parole. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Retourne-lui sa parole. Parce que nous avions vu partout où il y a eu l'adoration, partout où on s'est prosterné pour le Seigneur, il y a eu un miracle. Il y a eu une solution. Il y a eu une solution à ces problèmes. Alléluia. Qui donnait à Abraham toutes ces paroles? Qui donnait à Abraham toutes ces paroles? Parce qu'Abraham connaissait son Dieu. Alléluia. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas te taire. Quand tu connais Dieu, quelle que soit la situation, tu ne peux pas te taire. Parce que lui-même, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand tu connais Dieu, devant une situation, tu ne peux pas te taire. Alléluia. Abraham n'était pas agité. Abraham n'était pas agité. Celui qui a fait la promesse, je vous dis ce matin, il est fidèle. Il est fidèle. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons l'adorer. Alors, qu'est-ce que signifie l'adoration?
Parce que ça, la première parole d'Abraham. Qu'est-ce que signifie l'adoration? Le fait de reconnaître les valeurs spirituelles, pour ceux qui écrivent, je vais aller lentement. Le fait de reconnaître les valeurs spirituelles, les dimensions spirituelles, les capacités spirituelles de la personne qu'on adore. Alléluia. Le fait de reconnaître les valeurs spirituelles, les dimensions spirituelles, les capacités spirituelles de la personne qu'on adore. Maintenant, adorer, c'est reconnaître, croire la capacité de la divinité. Alléluia. Alléluia. C'est reconnaître, croire aux capacités de la divinité. On ne peut pas adorer sans avoir la connaissance de la personne qu'on adore. Je croyais que quelqu'un va dire amen. On ne peut pas adorer sans avoir la connaissance de la personne qu'on adore. Quand on a la connaissance de la personne qu'on adore, on peut s'approcher de lui avec assurance. À ce moment-là, on peut se prosterner. À ce moment-là, on peut l'adorer. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'adoration sans connaissance. Il n'y a pas d'adoration sans connaissance. Dieu a demandé à Abraham un fils. Il a demandé à Abraham un fils. Isaac, qu'il devrait offrir au Seigneur. Et il dit, nous allons l'adorer. Pour dire qu'il y a un lien. Il y a un lien entre l'adoration et l'offrande. Alléluia. Il y a un lien entre l'adoration et l'offrande. Je vais dire encore mieux. Il y a un lien entre l'adoration et le sacrifice d'action de grâce. Il y a un lien entre l'adoration et le sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Il y a un lien. Il y a un lien. Parce que quand on connaît son Dieu, plus on connaît Dieu, plus on sait s'approcher de lui avec assurance. Plus on connaît Dieu, on sait bien l'adorer. Quand on a la connaissance de Dieu, on sait bien adorer Dieu. On sait bien adorer Dieu. Alléluia. Et la connaissance de Dieu vient par la lecture de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu ne vient pas d'ailleurs, vient par la lecture de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu vient par la méditation de la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Amen. Hein? Tu peux connaître Dieu par l'héritage. Comment? Parce que les parents partaient toujours à l'église. Et vous avez eu cette habitude d'aller toujours à l'église. On peut connaître Dieu par la tradition et la culture. Parce qu'on a l'habitude, à chaque Noël, à chaque Pâques, et c'est à ce moment-là que toi tu te prépares pour aller à l'église. Alléluia. Tu ne fais que ça. Mais en dehors de ces jours-là, parce que c'est d'une manière traditionnelle et c'est selon la culture, tu ne viens pas pendant la semaine à l'église pour chercher Dieu. En dehors de ces jours-là, toi tu veux seulement les jours de Noël, les jours de bonne année. On peut connaître Dieu par l'enseignement, par la méditation de la parole. Plus vous méditez la parole, Dieu lui-même va se révéler à vous. Alléluia. Je croyais que quelqu'un va dire amen. Plus vous méditez la parole, Dieu lui-même va se révéler à vous. Plus vous méditez la parole, le Seigneur va se révéler à vous. Vous pouvez aussi connaître Dieu par révélation. Alléluia. Par révélation. Une dimension conduite par le Saint-Esprit. L'adoration, comme toujours, a la dimension invisible. Alléluia. L'adoration commence d'abord par une dimension invisible. Comment une dimension invisible? Parce que ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Et après, ça s'extériorise. Ça se manifeste à l'extérieur. Si aujourd'hui, Abraham était là, on pouvait lui poser la question. Quel rapport y a-t-il entre le sacrifice d'Isaac et l'adoration? Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le sacrifice d'Isaac et l'adoration?
Abraham pouvait nous répondre, oui, vous me posez cette question. Je sais, parce que j'ai un Dieu. Entre le sacrifice d'Isaac et l'adoration, parce que je sais que quand je vais adorer Dieu, la souffrance va finir. Quand je vais adorer Dieu, je vais transformer cette souffrance-là à l'adoration. Alléluia. Quand je vais adorer Dieu, je vais transformer cette maladie-là à la guérison. Quand je vais adorer Dieu, je vais transformer ce chômage-là au travail. Parce que je n'adore pas l'homme, mais j'adore Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, tu dois adorer. Tu dois savoir adorer le Seigneur. Il faut tout faire. Comme nous sommes là, assis. Il faut éviter que quelqu'un qui est à côté de toi t'empêche d'adorer Dieu. Alléluia. Il faut même s'éloigner. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Ils sont partis avec les serviteurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, vous restez ici avec l'âne. Vous restez ici avec l'âne. Moi, je vais avec le jeune homme. Nous allons adorer. Pourquoi? L'adoration demande l'intimité. Alléluia. L'adoration demande l'intimité. Abraham voulait se retrouver seul. Seul à seul avec son Dieu. Parce que réalisons que si le serviteur était parti avec lui. Mais quand il commençait à lier son fils. Bah, serviteur, ben, va salabou. Ben, mon Abraham, bizarre. Alléluia. Si il commençait à lier ses fils, son fils devant le serviteur. Mais ça allait être une catastrophe. Il y a un temps où tu dois te déplacer seul pour chercher Dieu et l'adorer. Devant une situation, devant un problème, tu dois te déplacer pour adorer Dieu. Parce que en adoration, il y a un échange qui s'est fait. Alléluia. Il y a un échange qui s'est fait entre toi et Dieu. Il y a un échange qui s'est fait dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, l'échange arrive. Il y a quelque chose que toi, tu dois perdre. Abraham a compris ces choses. Abraham a compris ça. Il faut que j'aille adorer. Parce que le Dieu, il est le Dieu d'adoration. Il est le Dieu de l'adoration. Parce qu'en adorant Dieu, tu deviens favorable à Dieu. En adorant Dieu, tu deviens agréable à Dieu. Alléluia. Tu adores Dieu, Dieu te bénit. Et c'est la même chose qui est arrivée à la sœur de Marthe, Marie. Elle a approché le Seigneur. Après sa sœur qu'elle a échoué, elle a approché le Seigneur. Elle n'a pas commencé à parler. Elle a commencé par se prosterner. Alléluia. Elle a commencé par se prosterner. Elle a commencé par adorer. Après avoir adoré, elle a prononcé une parole. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction? Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Comme aujourd'hui, ton Lazare sortira aussi du tombeau. Le Lazare de quelqu'un sortira du tombeau. Alléluia. Alléluia. Ton Lazare sortira du tombeau. Quelle révélation, mon frère et ma soeur, tu as de Dieu? Je nous pose la question ce matin. Quelle révélation vous avez de Dieu? Quelle révélation vous avez de Dieu? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Sauveur? Pour que tu te prosternes devant lui. Même les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que le roi est là. Alléluia. Ils ont compris que le roi est là. Parce que le roi est là, nous devons chercher à rencontrer le roi. Quand ils ont rencontré, ils sont arrivés à l'endroit où il y avait le roi. Ils se sont prosternés. Ils ont adoré. La Bible a utilisé même les deux termes. Se prosterner et adorer. Alléluia. Et ils n'ont pas seulement adoré pour rien. Ils ont adoré. Après avoir adoré, ils ont ouvert leur trésor. Parce qu'on ne va pas adorer un chef par la bouche seulement. Alléluia. On n'adore pas un chef par la bouche seulement. On ouvre son trésor. On ouvre son trésor. Et ils ont fait sortir. Ils ont fait sortir de l'or. Parce que nous sommes devant les chefs. Nous sommes devant les rois des rois. Nous sommes devant les seigneurs des seigneurs. Nous sommes devant les créateurs. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Alléluia. Alléluia. Ils ont ouvert les trésors. Et ils ont donné au Seigneur.
Et ça, ça réjouit le cœur de Dieu. À aucun instant, Dieu ne peut se retenir à cause de ça. Parce que vous avez donné à Dieu. Dieu ouvre son cœur. Il commence à vous bénir du 1er janvier au 31 décembre. Les gens trouvent que c'est compliqué, mais il est le Dieu qui bénit toute personne. Il est le Dieu qui bénit ceux qui s'approchent de lui avec assurance. Il est le Dieu qui bénit, qui s'approche de lui avec assurance, qui s'approche de lui avec certitude. Il est le Dieu qui bénit, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu qui bénit. Je te rappelle ce matin. Il est le Dieu qui bénit. Quelle révélation tu as de Dieu? Je t'informe ce matin. Il est le Dieu tout capable. Il est El Shaddai. Le Dieu tout suffisant, c'est lui. Le Dieu tout capable, c'est lui. Le Dieu tout puissant, c'est lui. Quelle révélation tu as de Dieu? Dieu ne regarde pas nos fonctions. Dieu ne regarde pas nos habits. Dieu ne regarde pas nos voitures. Dieu ne regarde pas nos maisons. Mais Dieu regarde de la manière que toi, tu les glorifies. Dieu regarde de la manière que tu l'honores. Dieu regarde de la manière que tu lui donnes ce qu'il faut. Parce que tu es en train de lui rendre sa gloire. Tu es en train de lui rendre sa gloire. Parce que lui, tu reconnais que tout ce que tu as vient de lui. Tout ce que tu as vient de lui. Tu es en train de lui rendre sa gloire. Et Dieu s'élève. Je dois bénir mon fils. Je dois bénir ma fille. Alléluia. Je dois bénir mon fils. Je dois bénir ma fille. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Vous pouvez avoir autant de maisons, vous pouvez avoir autant de fonctions. Mais Dieu regarde de la manière que toi tu l'honores. Or, la Bible dit, il est écrit, Dieu honore ce qu'il honore. Dieu honore ce qu'il honore. Plus tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Plus tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Plus tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Alléluia. Mon frère et ma soeur, honore Dieu. Honore Dieu. Avec tous tes biens. C'est pourquoi les 24 vieillards, ils ont compris tout ce que nous avions de précieux. Les 24 vieillards, ils ont compris que tout ce que nous avions de précieux, c'est nos couronnes. C'est nos couronnes. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de garder ces couronnes parce qu'il est là. Nous donnons ça à Dieu. Qu'est-ce que tu as de précieux que tu ne peux pas donner au Seigneur? Qu'est-ce que tu as de précieux que tu dois prévoir à donner au Seigneur cette année? Les 24 vieillards, ils n'ont pas attendu. Ils ont vu que oui, ce que nous avons, c'est lui qui fait notre gloire. Ce que nous avons, ça vient de lui. C'est pourquoi nous ne pouvons pas résister. Il est très précieux pour nous. Il est très précieux pour nous. C'est pourquoi il mérite l'adoration. C'est pourquoi il mérite la gloire. C'est pourquoi il mérite l'honneur. C'est pourquoi il mérite la majesté. C'est pourquoi il mérite la puissance. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, mon frère. Quelle révélation tu as avec Dieu? Quelle révélation tu as de Dieu? Quelle révélation tu as de Dieu? Approche Dieu avec assurance, si tu le connais. Abraham n'était pas agité. Il n'a pas fait comme Marthe. Marthe qui s'agitait. Malgré que le Seigneur retourne dans ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, elle n'a pas fait. Mais Abraham ne s'était pas agité. Oui, le problème était terrible. Si c'était toi et moi aujourd'hui, peut-être on allait tomber évanoui avant même de commencer à rassembler les histoires. Alléluia. Mais Abraham était calme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Il connaissait Dieu. Il avait offert à Dieu. Isaac est arrivé. Il a offert à Dieu. Isaac est arrivé. Il a regardé. Ce n'est pas impossible. Oui, c'est sur cette montagne que le Seigneur m'a dit d'aller sacrifier mon fils. Oui, j'élève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Mais le secours me viendra de l'Éternel. Parce qu'il est ton secours. Parce qu'il est ton appui. Parce qu'il est ton soutien. Qui ne manque pas dans la détresse? Oui, il est le bon berger. Avec lui, vous ne manquerez de rien. Je vous dis ce matin. Avec lui, vous ne manquerez de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il restaure nos âmes. C'est pourquoi tu dois ouvrir ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur ce matin. Qu'est-ce que tu prévois donner au Seigneur? Parce qu'il est très précieux pour toi. Il est très précieux pour moi. Il est très précieux pour nous. Qu'est-ce qu'on a prévu pour donner au Seigneur cette année? Alléluia. Mais quel est l'objectif de notre message? Notre objectif est que chacun de nous s'examine sa manière d'aimer Dieu.
sa manière d'aimer Dieu. On peut dire qu'on aime déjà Dieu, oui. Examine-toi, mon frère. Examine-toi ta manière d'aimer Dieu. Que chacun de nous s'examine davantage. Qu'est-ce que nous faisons davantage pour notre Seigneur? C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème ce matin. Ton Dieu est précieux. Alléluia. Ton Dieu est précieux. Ton Dieu est précieux. Dis à ton voisin de gauche, ton Dieu est précieux. Dis-lui bien, ton Dieu est précieux. C'est pourquoi tu dois t'approcher lui avec certitude, avec foi, selon qu'il est écrit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il va donner la solution. Il va donner la solution à ton problème. Il va donner la solution à mon problème. Il est Dieu. Il est le Dieu des solutions. Ce que nous croyons être impossible, lui, il est le Dieu qui se rend les choses possibles. Alléluia. Maintenant, quelle leçon nous en pouvons tirer de nous? Quelle leçon nous pouvons tirer pour cet enseignement que nous venons de recevoir ce matin? Pour nous. Dieu a fait la promesse. Dieu aussi a accompli la promesse. Donc Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Donc nous devons tout faire pour chercher à être aussi fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Chercher à être fidèle à Dieu. Parce que lui-même, il est fidèle. Comme il est notre modèle, nous aussi, nous devons être fidèles à lui. Alléluia. Quelle leçon nous devons encore tirer? Quand Dieu a dit à Abraham de lui offrir son fils, Abraham n'a pas respecté. L'obéissance vaut mieux que les... Alléluia. L'obéissance vaut mieux que... Il n'a pas respecté. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Mais il a appliqué seulement les principes que nous allons adorer et nous reviendrons. Mais le Seigneur a entendu cette parole. Parce qu'il est écrit, il te sera fait selon ce que tu as déclaré à mes oreilles. Alléluia. Il a appliqué ce principe-là. Il te sera fait selon ce que tu as déclaré à mes oreilles. Il a un problème. Viens, déclare, mon frère, déclare. Parle. La leçon que nous avons tirée. Que peut être notre conclusion? Que peut être notre conclusion? Le Seigneur a promis. Le Seigneur a réalisé. Après avoir réalisé, moi aussi je lui ai retourné sa parole. La conclusion est que plus tu vas te prosterner, le Seigneur fera quoi? Plus tu vas te prosterner, parce que Abraham avait compris ça. Plus tu vas te prosterner, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Le Seigneur va te bénir. Et il va multiplier ta prospérité. Comme les étoiles du ciel. Il va multiplier ta prospérité. Comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je nous rappelle ce matin. Approchez-lui avec assurance. Quoi qu'il existe, il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quoi qu'il existe, il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis mon adolescence, j'ai souffert de la dysménorrhée et de règles douloureuses. Si koyo na ke na hôpital ba ebisinga que non il faut ba opérer na myom ba opérer na deux fois en 2010 et en 2014 et puis en 2016 na komo remarquer sous ba perturbation ba règle na komo sa ba deux semaines na ba règle un mois voire même mois oyo na mois wana sangani ba règle quatre na ngoté er na ke na hôpital
Le médecin m'a dit que non, mon utérus était polymyomateux, donc il y avait des myomes partout. Selon eux, bon, comparons un sac de pommes de terre. Il m'a dit que non, il faut pas que l'on ait une matrice. Parce que vu la quantité de myomes qui sont dans l'utérus, moi, j'ai gardé sous matrice dans l'été. Mais j'ai espoir que je n'ai pas un zambé. Non, pas un zambé. Il y a une Bible qui n'y aura point de femmes stériles. Ndengenini au rang d'un stérile à mon âge et puis n'andoye psanzambe toujours na ba prière nanga que tu es le même hier aujourd'hui éternellement comme tu l'as fait avec cette femme à la perte de sang pendant 12 ans tu peux le faire aussi pour moi aujourd'hui et puis erto ça la ba prière liboso na boya qui intervention Herba proposé nga na boya qui intervention parce que makile bande au katanango nga na boyi na bino na ba opéré nga té. Et puis au bout de quelques mois, c'était en décembre, le 26 décembre 2017, na moni makile biminga lisu. Cette fois-ci makile bande au katana lisu té. Na bande ko changé ba pampers na ndola té sou ba bande d'hygiénité bande simba nga lisu té. Na ndo changé ba pampers au moins 7 à 8 pampers par jour. De transfusion en transfusion. Ben injection ya ba kisi pou kata makila mais en vain. Makile bandeau katanaka te. Et puis, Erto Osambela, na basale nzambe na zaye pe assisté par les serviteurs de Dieu, to Osambela, mais na ba prière avec les serviteurs de Dieu, message bandeau bimaka que non, nandi mon opération te. Ba message bandeau bimaka nandi mon opération te. Mengas ko na bande ko milo belanga mo, ah nandi mon opération soutenu ni. Ponga na zwa kimi, il faut ba longola ka matrice. Après, tellement que va passer les cas qui va maquiller pendant bimébélé pendant 5 mois j'ai réglé jour pour jour na ba douleur abdominale atroce et puis ba douleur à mon congo collé là nga mon a coquité na bité nga mon il faut na ki ka na hôpital ba longola nga matrice pour passer na koka na li souté na komi na hôpital ba médecin ba herbe na ba médecin ba bino avant tout ça opération auto longolo matrice il faut au ça est échographie et on a cette échographie médecin na le bio non moi to opéro li sou ezate oh bon opéré na sou ezate neni auto moni ba liquide moro boé so ki to bito opéré et c'est propagé ça ba infection et c'est propagé na nzoto mobimbe za fata oyo okufa to ko opéro li souté ba parents nanga banzo bonde la médecin bo opéré ka bolongo la matrice azonio kwa ma ba banzo ko supplé médecin boyi abinga na ko opéré nanga isouté bo bima ba bimisi biso na hôpital avec mes saignements avec mes fortes douleurs espoir ezayel isouté na ndomo na ka ke nonde na zabu na okufa nanga ka makile ezo katate mais lo na yebi pa nzambe soko zo sambela il faut toujours ko rappeler ka nzambe ba promesse na makambune o aloba na bible nga na yebi sa ki nzambe na biyo oloba ki na ngai ke ngai na ndi mo operation te yo oloba o kata ki makila ya moi si wa pendant ma kutanga makila pendant 12 ans nzambe o kata pe makila na nga na tio na defi o kata pe makila oyo ezali ko bima. Après, Dieu m'a donné une autre orientation. En tout cas, mon médecin Moussou. En tout cas, mon médecin Moussou. Médecin Moussou, on a parlé. Alobika, on a un médecin le précédent à l'Obaki. Mais alobi, non, ton mekara qui si mou, bo, ton pesa yo qui si so. Topesi o kisiwana, kisiwana ron nangweza lo kwa poma di chole, eko diminue ta yaba miyom, apre to ko opere. Mais er, ba pesinga kisi, avec la prière aussi, surtout, après, un soir à 2h du matin, ok, loro moro bimi na se na biso basi. Toke mbango à 2h du matin à l'hôpital, nde herbe tomoni, médecin na batongo, herbe oskute, nga lobi, ah, mais madame, oh, ezali miom nde, ezali ko bimayo. Nga lobi, ah, miom, oh bien, miom nde zo bimayo. Après, médecin, a matisi nga nambeto, a longo linga miom, e bimi na voix basse. Bien mon médecin azoka moi biki si oh nga er na pesa ki ngo ezaki pona ko réduire taille ya ba fibrone bandana bando pesa ki so nane bimisa miom te en tout cas nzambe oyo sambelaka abiki si yo et depuis et er miom e bimi
Makila et Katana nazaki bato ba ebinga ba bandomu na ngali bumu munene lokwa mwasi azemi alors que zakazemte libumu ekita nzambe asalanga opération sans cicatrice yona yo kumisa e. Message nanga ya suka. Message nanga souke nalingo ye bisabino bato bwana ba problème au espoir et sili bozala toujours ne li qui a que le Dieu vivant, le médecin par excellence, le Jehovah Rapha est vivant et il agit en son temps. Botaka espoir et pa nzambe e akosala yona lobaki na ko témoigner monene na e na wa salelinga. Merci.